Bienvenue à cette 13e et dernière webconférence de l'année 2020. Le thème aujourd'hui est mieux comprendre les thérapies ciblées. Et cette webconférence vient clôturer notre premier cycle qui était mieux comprendre la recherche clinique, mieux comprendre les biopsies, dont les replays sont bien sûr disponibles sur le site des associations. Ce soir, au nom de Dis-moi Santé, Patients en Réseau et Odyssea, nous souhaitons vous remercier pour votre fidélité. Avec ce soir encore plus de 350 personnes qui sont inscrites. Merci pour votre participation que nous allons encore découvrir ce soir en direct sur le chat et via les questions et puis également par les questions qui sont de plus en plus nombreuses que vous nous remontez via les réseaux de Mon Réseau Cancer et puis aussi pour les questionnaires que vous avez la gentillesse de nous remplir à la fin qui ont pour objectif de nous améliorer puis surtout de pouvoir répondre à vos besoins. Donc aujourd'hui, nous allons échanger autour des thérapies ciblées entourées de 5 experts qui ont eu la gentillesse d'être à notre côté et nous accueillons donc ce soir le professeur Cécile Badoine, bonsoir, le docteur Alexandra Léhari, le docteur Emmanuel Samalin, le docteur Éric-Charles Antoine, le docteur Bertrand Ménossier et comme toujours en ligne, le docteur Alexis Talbot qui répondra aux questions par écrit. Un immense merci à vous d'avoir accepté d'être parmi nous et de nous éclairer donc sur ce sujet des thérapies ciblées. Comme toujours, nous vous rappelons que ces webconférences n'ont pas pour objet d'être des téléconsultations et nous ne prendrons donc en compte que des questions d'ordre général. Pour toute question relative à votre santé ou à celle d'un proche, merci de vous rapprocher de votre médecin traitant ou de votre équipe médicale qui eux seuls connaissent votre dossier. La continuité des soins est essentielle, donc nous vous engageons vraiment à aller consulter. Après ce point, nous allons donc commencer avec un agenda très ambitieux par le point de vue et des enseignements de l'anatomopathologiste. Donc, professeur Badoine, bonsoir. Vous êtes chef de service d'anatomopathologie à l'HEGP, très impliqué en recherche clinique. Et vous avez mis en place une consultation HPV dont je pense nous parlerons tout à l'heure avec les cancers gynécologiques. Merci d'être parmi nous. Merci Oriane de me laisser la parole et merci à vous tous et toutes de vous brancher en ces heures un peu tardives, mais pour autant, on va essayer d'aborder la problématique du rôle des pathologistes et je dois être très rapide parce que sinon, je vais carrément me faire engueuler par Oriane parce que j'ai 10 minutes à tenir. Alors, Oriane, où sont mes diapos? Les voilà. Donc, mes diapositives concernent la prise en charge des patients dans les services anatomopathologiques. Anne-Vincent Salomon vous a déjà préparé au rôle des pathologistes et au fait que nous avons un rôle important dans la préparation, dans la gestion des différents prélèvements. Et donc, aujourd'hui, il est question de savoir tout ce que vous avez voulu savoir sur les pathologistes, sachant que vous avez déjà eu pas mal d'informations. Alors, comment on fait notre diagnostic? On va le faire à partir de ponctions à l'aiguille, d'examens extemporanés, c'est-à-dire l'examen sur lequel je ne vais pas revenir, qui est très rapidement fait pendant l'intervention chirurgicale, l'examen macroscopique ou des examens histologiques. Donc, l'examen histologique, on va le faire sur des cellules, cytologique, on va le faire sur des cellules, et puis l'examen histologique, on va le faire sur des tissus. Alors, les tissus, on va les recevoir, on va les fixer, juste pour vous rappeler que quand on va prendre en charge ces prélèvements, le consentement des patients est absolument indispensable et c'est ce consentement qui va nous permettre d'accéder à stocker des prélèvements pour la recherche. Donc, vous, en tant que patient, avez un rôle primordial dans l'ouverture de la possibilité d'utiliser ces prélèvements pour de la recherche, bien sûr. Le fait de signer ce consentement n'entrave en rien votre prise en charge thérapeutique, c'est pour aider aussi à la recherche. Alors, les techniques principales, vous les avez déjà vues, fixation, inclusion. J'insiste parce que c'est des moments très importants de la prise en charge de vos prélèvements parce qu'ils vont conditionner aussi la possibilité de faire de la recherche et pouvoir faire des examens complémentaires. Alors là, vous avez une
technicienne chez nous qui va ensuite, à la suite, prendre les prélèvements, les mettre dans des blocs, les préparer. Donc, vous voyez que nous avons des prélèvements extrêmement petits qui vont de la simple petite biopsie à éventuellement des prélèvements plus gros à la suite d'une intervention chirurgicale. Donc, on va couper ces prélèvements. Donc, vous avez vu que, par exemple, d'un grand prélèvement, on va prendre des échantillons de médecins. Nous savons où aller chercher tout ce qui va nous permettre de faire le pronostic. Donc, je vais vite, tout ça pour vous dire qu'avec ces prélèvements tout petits, 5-6 microns, on va ensuite les colorer, les marquer et ensuite arriver vers la possibilité d'utiliser des techniques de routine. Donc, ça, c'est les colorations habituelles, des colorations spéciales qui vont nous permettre d'identifier la composition des cellules tumorales. Et puis, on va faire de l'immunohistochimie, de l'hybridation in situ ou de la PCR, qui sont des mots barbares, mais on va regarder de plus près à quoi ça correspond. Donc, en gros, en tant que pathologiste, au quotidien, on va avoir des proliférations tumorales qui vont se présenter sous des formes diverses et variées. Et nous, parce qu'on a appris, on va identifier le type tumoral que c'est. On va utiliser de l'immunohistochimie, par exemple. Donc, c'est déjà des biomarqueurs qui vont permettre de dire, là, vous avez de la thyroïde normale et là, vous avez une prolifération qui est dans la thyroïde, mais qui ne présentent pas les mêmes marqueurs. Donc là, on va utiliser des anticorps. Et ça, c'est l'utilisation du marquage avec ces anticorps. On appelle ça de l'immunohistochimie, immuno, parce qu'on utilise des anticorps. Alors, ces anticorps, parfois, ils vont nous aider à faire le diagnostic parce que c'est très compliqué de savoir à quoi ressemblent ces tumeurs. Donc, on va faire des marquages particuliers et ça va nous permettre d'avoir une première vision. Alors, qu'est-ce qu'un biomarqueur ou une signature? En fait, on va appeler thérapie ciblée une stratégie thérapeutique qui agit directement sur des cibles moléculaires qui participent directement ou indirectement à la carcinogénèse. Les cibles thérapeutiques, c'est le plus souvent des protéines de surface ou des enzymes. Je vous ai parlé de l'expression de certaines protéines. On va utiliser des anticorps pour faire des diagnostics, mais aussi on va, en tant que pathologiste, utiliser ces anticorps pour identifier quelles vont être les cibles thérapeutiques. Il y a la théranostique avec la contraction de thérapeutique et de diagnostic qui vise à fournir une information qui permet à une plus grande personnalisation du traitement. Et les facteurs prédictifs, c'est des facteurs directs ou indirects qui vont influencer la réponse à une thérapeutique qui peut être aussi pronostique, le témoin de l'agressivité tumorale. Donc, je voulais prendre le temps et les diapositives, je pense, seront à votre disposition pour bien vous écouter expliquer ces mots parce qu'ils sont importants dans l'explication plus tard. Pourquoi on va utiliser au cours de la cancérogénèse, de l'évolution des cellules normales vers des cellules tumorales, il va y avoir plein d'événements qui vont arriver et qui vont modifier les protéines et des événements de modification moléculaire. Alors là, on a ce qu'on appelle un carcinome épidermoïde, mais on peut avoir la même chose pour ce qu'on appelle des adénocarcinomes, par exemple dans le côlon, où vous voyez qu'il y a des mutations qui vont arriver et qui vont faire exprimer des cellules, des protéines particulières dans la cancérogénèse. Donc, on sait que l'évolution des cellules tumorales, elle est liée à plein de facteurs avec des dérégulations diverses et variées. Et nous, en tant que pathologistes, on va essayer de faire cette pêche à différentes informations pour pouvoir mieux proposer aux oncologues, aux radiothérapeutes et aux chirurgiens une thérapie la plus adaptée en fonction de l'image que va présenter les cellules tumorales. Donc, toujours thérapie ciblée, cible thérapeutique, théranostique et facteur pronostique. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous avez vu mes petits blocs. On va voir la prolifération tumorale dans des biopsies et le biomarqueur va me permettre de faire le diagnostic, d'anticiper le pronostic et d'aider à choisir le meilleur traitement. Donc, on va utiliser le plus souvent différentes façons de voir les choses. On va utiliser de l'immunohistochimie et de la biologie moléculaire. Alors, c'est tout ça qu'on va voir au microscope, mais on va aussi voir l'accumulation d'aberrations moléculaires en utilisant, par exemple, des anticorps. Et puis, on va aussi utiliser, donc ça, c'est de l'immunohistochimie, on va utiliser aussi de la biologie moléculaire. Donc, grâce
à la préparation des blocs que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je vous ai montré la fiche de demande pour les patients. Donc, vous voyez que on a besoin de matériel très particulier et préparé. On va identifier quelle zone exactement on va voir en prolifération tumorale. Et puis, on va proposer des prises en charge très particulières avec la recherche de mutations particulières qui peuvent être trouvées au niveau de colons rectaux, de poumons par exemple, ou de cholangiocarcinome ou de vessie. Donc, vous voyez que plusieurs marqueurs, plusieurs panels qu'on va aller rechercher sont utilisés pour la prise en charge de différents cancers. Donc, je vous ai mis tous les panels qu'on va utiliser parce qu'on aura fait le diagnostic et qu'on pourra faire. Et puis, dans les marqueurs, donc on a vu qu'il y a de l'immunohistochimie avec l'expression de certains anticorps, qu'il y a de la biologie moléculaire qu'on va pouvoir faire et qu'on va faire soit avec des méthodes de NGS, soit avec de l'immunohistochimie. Et puis, on va aussi pouvoir utiliser, par exemple, la recherche de virus. Par exemple, dans les cancers, par exemple, du col de l'utérus, c'est lié à la présence d'un virus qu'on appelle le papillomavirus. Et donc, on va avoir des techniques pour aller rechercher ce papillomavirus et en anapath, on va aller le chercher. Alors, pourquoi il est important? Parce qu'on sait que dans le cancer du col, c'est lié à ça, mais dans le cancer ORL, eh bien, c'est un facteur prédictif et pronostique. Donc, on va utiliser soit de l'immunohistochimie, soit de l'hybridation in situ, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des petits morceaux du gène du virus dans les cellules pour prédire ou pas la réponse au traitement et choisir les traitements des patients. Et puis encore d'autres marqueurs, ce sont pour cibler le micro-environnement tumoral, une approche thérapeutique en développement, c'est l'immunothérapie. Et bien pour sélectionner les patients qui vont répondre à l'immunothérapie, on va par exemple proposer des marquages immunohistochimiques avec des cibles thérapeutiques de l'immunothérapie. Alors ici, avec l'anticorps anti-PD-L1. Et puis demain, on utilisera plein de marqueurs avec de l'immunohistochimie multiple où on pourra chercher plusieurs marqueurs en même temps. Alors vous voyez ici les cellules tumorales en rose et puis ici des lymphocytes qui expriment des marqueurs différents et qui vont avoir des comportements différents. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, par exemple, dans un cancer du sein, on va faire des récepteurs hormonaux qu'on va faire en immunohistochimie habituelle. On va chercher l'HER de nœud. Et en fonction de l'expression de HER de nœud, on va faire en immunohistochimie, on va faire des marquages différents. Ici, par exemple, on a une croix à 2+, l'expression de beaucoup de cellules. Eh bien, on va aller plus loin et on va chercher les amplifications de ce marqueur. Voilà, donc c'est très rapide. Oriane, j'ai tenu 10 minutes. J'attendrai vos réponses. Et tout ça pour vous dire que les biomarqueurs, ça nous permet de donner des clés de la réussite du traitement plus tard pour mieux appréhender votre prolifération tumorale. Merci infiniment pour ce résumé, cette overview qui va justement nous permettre de rentrer dans le vif du sujet des thérapies ciblées, notamment par le sein, avec le docteur Éric Charles-Antoine. Donc, vous êtes séno-oncologue et membre fondateur de l'Institut du sein Henri Hartmann. Et donc, vous allez nous parler notamment de la révolution HER2, parce que le sein, historiquement, a quand même ouvert la voie au traitement par thérapie ciblée. Donc, merci infiniment d'être parmi nous. Et puis, donc, la parole est à vous. On va vous mettre vos slides tout de suite. Donc, bonsoir à toutes et tous. Je vais essayer d'être effectivement bref. Et puis, d'abord, je vous remercie d'être à notre écoute ce soir. Alors, je ne suis pas certain que le cancer du sein soit un modèle de thérapie ciblée, du moins peut-être celui qu'on appelle le cancer du sein R2. Mais c'est vrai qu'historiquement, l'hormonothérapie, et je crois que toute femme et même tout homme aujourd'hui traité pour un cancer de sein recevra, à condition que son cancer soit dépendant des hormones, une hormonothérapie, que ça soit en phase, vous l'avez compris, précoce et donc préventive, ou que ça soit en phase malheureusement un peu plus avancée. Alors comme l'a dit ma collègue anatomopathologie juste avant, de toute façon aujourd'hui, dès qu'il y a diagnostic de cancer du sein, il y a un certain nombre de biomarqueurs qui vont nous permettre effectivement de décider d'une stratégie la plus appropriée, la plus personnalisée possible. Et effectivement, la recherche d'une dépendance hormonale sur tout cancer du sein est systématique,
par le biais de ce qu'on appelle la recherche des récepteurs aux hormones œstrogènes et progestérone, puisqu'il s'agit de ça dans les cancers du sein. On l'a dit tout à l'heure, ou en tout cas ça a été écrit, hein, 80% des cancers du sein aujourd'hui sont considérés comme hormonodépendants, et je le répète, on parle d'hormonodépendance lorsque, sur les cellules tumorales, lorsqu'elles sont analysées par nos collègues, on retrouve une certaine quantité de récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone. Je vous rappelle que ces récepteurs, ce sont des systèmes moléculaires à la surface des cellules tumorales et qui vont, par des mécanismes complexes sur lesquels on ne reviendra pas, reconnaître l'hormone. L'hormone, une fois bloquée sur son récepteur, transmettra un signal, la plupart du temps un signal d'activation au niveau de la cellule. Et c'est vrai que l'hormonothérapie, c'est finalement une perspective très historique, hein, par rapport donc aux thérapies ciblées au cancer du sein, puisque pour l'anecdote, hein, elle a plus de 150 ans, cette hormonothérapie, même si à l'époque on ne parlait pas de thérapie ciblée, même si à l'époque on n'avait même pas encore découvert les hormones, il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour parler d'hormones. Mais en revanche, un chirurgien écossais qui s'appelait Bitson, qui a été anobli d'ailleurs, c'était Lord Bitson, avait pu démontrer, lorsqu'on faisait beaucoup d'empirisme en médecine, eh bien que sur des brebis qui présentaient des tumeurs du sein, des tumeurs au niveau de leur mamelle, eh bien le fait d'enlever l'utérus et les ovaires entraînait des régressions de ces tumeurs. Donc il avait pu déjà à l'époque, il y a plus de 150 ans de ça, hein, suggérer l'existence d'un lien entre certains organes féminins et donc le cancer du sein. Et ce n'est que en fait après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a pu avoir le concept plus clair des hormones et montrer qu'effectivement, lorsqu'il y a une hormonodépendance dans un cancer du sein, celui-ci est très lié à la présence des hormones donc féminines, œstrogènes et progestérone. Et donc l'un des traitements mais majeurs aujourd'hui, je le répète, hein, c'est 50% des traitements en matière de cancer du sein, s'appelle l'hormonothérapie. Alors oui, c'est une thérapie ciblée en tant que telle, même si elle n'est pas parfaitement spécifique. Et donc, les différentes thérapies susceptibles d'intégrer donc le concept d'hormonothérapie, c'est déjà d'abaisser les hormones, de lutter contre l'effet direct des hormones. Donc, vous savez, il y a un certain nombre d'anti-œstrogènes, hein, et d'anti-hormones qu'on utilise. On peut donc bloquer la production, on peut empêcher l'hormone de se fixer sur le récepteur. Ensuite, on peut effectivement, de manière un petit peu plus fine, si j'ose dire, bloquer les signaux d'activation induits par la liaison récepteur-hormone, mais tout cela avec un seul objectif et une même finalité, c'est de bloquer, arrêter la croissance tumorale. Et non seulement c'est assez simple en termes de prise, c'est souvent des thérapeutiques orales, mais c'est en plus relativement bien toléré. Je ne dis pas que c'est très bien toléré, mais c'est relativement bien toléré par rapport aux thérapeutiques classiques que sont notamment la chimiothérapie. Et surtout, c'est fonctionnel, c'est pertinent, c'est efficace. Donc ça, c'est l'hormonothérapie et qui a fait récemment effectivement des progrès considérables. Nous disposons d'énormément de stratégies d'hormonothérapie différentes qu'on appelle séquentielles, qu'on utilise parfois les unes après les autres, rarement en combinaison, et on associe donc des traitements anti-hormones avec d'autres, même thérapies ciblées. Il y a beaucoup de combinaisons, j'ai pas le temps de m'éterniser là-dessus. En revanche, il y a un modèle qu'on appellerait plus, entre guillemets, démonstratif, hein, d'une thérapie ciblée. On va revenir là sur les diapos, si vous le voulez bien. Donc, c'est le modèle du cancer du sein R2 dépendant. Alors, je vais essayer de les passer si j'y arrive. Voilà. Donc, ça représente environ 10 à 15% des femmes aujourd'hui opérées d'un cancer du sein. On appelle ça un cancer du sein R2 positif. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer du sein R2 positif? C'est un cancer du sein sur lequel, grâce à nos collègues anatomopathologiques, on a pu montrer l'existence sur la surface membranaire des cellules tumorales d'une grande quantité de récepteurs qu'on appelle HER2. En fait, ces récepteurs sont, entre guillemets, lorsqu'il y a cancer, auto-activés, parfois activés par d'autres ligands, auto-activés et vont, encore une fois, c'est ce que vous pouvez voir sur le bas de la diapo, stimuler de manière totalement anarchique, autonome et permanente la croissance tumorale. Ça, ça représente 15% des cancers du sein, donc attention, ce n'est pas une généralité. Et aujourd'hui, systématiquement, on se doit de rechercher la présence ou pas de l'hyperexpression de ces récepteurs sur les surfaces cellulaires tumorales, tout simplement parce qu'on a des thérapeutiques spécifiques qui ont
bouleversé le pronostic de ces tumeurs. Il faut savoir qu'avant les années 2000, puisque c'est à partir des années 2000 qu'on a mis en évidence ces récepteurs, eh bien, c'était un cancer du sein particulièrement agressif qui rechutait malheureusement précocement, notamment en touchant des sites qu'on appelle viscéraux, c'est-à-dire le foie et le poumon, avec malheureusement, je répète, l'un des pronostics les plus péjoratifs en matière de cancer du sein. Eh bien, aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'avoir un cancer du sein entre guillemets R2 positif est certes toujours doté naturellement d'un pronostic plus péjoratif, mais c'est ceux qu'on guérit le plus. Et si on les guérit le plus, c'est qu'on a trouvé non pas un antidote, mais une thérapie ciblée qui vient parfaitement bloquer cette cible que représente le récepteur R2. Ce sont des anticorps monoclonaux, donc si on peut faire passer les diapos encore une fois, merci, hein, donc qui en fait vont bloquer ce récepteur HER2 en le reconnaissant d'une part, et lorsqu'ils le bloquent, eh bien, bloquent également le signal qu'ils envoient théoriquement pour activer donc la cellule tumorale. Ces anticorps monoclonaux ne sont pas des anticorps à visée immunothérapie, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'immunothérapie en tant que telle, c'est une thérapie ciblée dont l'anticorps permet de reconnaître la cible et en fait de la moduler, en l'occurrence de l'inhiber. Et ces traitements, donc des anticorps monoclonaux, sont associés systématiquement maintenant, que ce soit en phase précoce, c'est-à-dire préventive de la rechute, ou en phase avancée, un haut traitement conventionnel et ont permis aujourd'hui de transformer, je le répète, le pronostic de ces cancers du sein R2 dépendant, faisant de ces cancers ceux qu'on arrive le plus à guérir, même s'ils restent intrinsèquement plus péjoratifs. Et il y a en plus aujourd'hui énormément, entre guillemets, d'innovations dans ce domaine de la molécule et du récepteur R2 avec de nouveaux anticorps, qu'on appelle même conjugués, c'est-à-dire que l'anticorps vient bloquer toujours le récepteur R2, mais libère par ailleurs, diapo suivante, une molécule de chimiothérapie. Non, c'était juste avant, je n'avais pas voulu vous surcharger en diapositive. Donc, c'est un anticorps qui vient bloquer le récepteur, donc qui vient bloquer, si vous voulez, donc la protéine R2, bloquer le signal d'activation, mais qui en plus reconnaît théoriquement, spécifiquement la cellule tumorale, c'est son intérêt, donc permet une action ciblée, cette fois-ci spécifique sur la cellule tumorale, et libère, une fois qu'il l'a reconnue, cette cellule, eh bien une petite molécule de chimiothérapie à l'intérieur de la cellule tumorale pour sélectivement la détruire. C'est ce qu'on appelle de la chimiothérapie vectorisée. Donc ces anticorps monoclonaux connaissent, entre guillemets, un développement remarquable en ce moment et probablement seront également utilisés dans d'autres, entre guillemets, tumeurs du sein, indépendamment du statut HER2. Donc ça, c'était pour les deux grands types de thérapies ciblées, l'hormonothérapie d'une part, on va dire les hormonothérapies, les thérapies ciblées donc anti-HER2, mais il faut savoir aussi que d'autres thérapies ciblées participent aux stratégies actuelles en matière de traitement de cancer du sein, notamment dans les cancers qu'on appelle triple négatifs, qui, comme vous le savez peut-être déjà, sont des cancers considérés comme aujourd'hui les plus agressifs, car ceux pour lesquels on a finalement des moyens thérapeutiques très standards, hein, tels que la chimiothérapie, la radiothérapie et bien entendu la chirurgie au stade précoce, et bien aujourd'hui on a l'immunothérapie, on en parlera tout à l'heure dans d'autres pathologies, qui certes dans les tumeurs triple négatives n'est pas révolutionnaire, mais apporte des options supplémentaires de traitement. On est très loin des résultats que nos collègues dans les tumeurs du poumon, dans les tumeurs du côlon et dans d'autres ont réussi à obtenir. L'immunothérapie est bien plus décevante en matière de cancer du sein, ce qui ne signifie pas qu'elle doit ne pas être continuée d'être développée, mais pour l'instant les résultats restent encore, je répète, balbutiants. Mais on a surtout dans les tumeurs triple négatives des anticorps qui reconnaissent un récepteur sur ces cellules qu'on appelle le récepteur PROP et qui permettent de libérer aussi des molécules de chimiothérapie spécifiquement dans ces cellules dites triple négatives. Ce sont des anticorps monoclonaux conjugués, là aussi, et qui semblent vraiment prendre le pas sur toutes les thérapeutiques actuelles et qui nous permettront, du moins on l'espère, d'améliorer nos résultats. Donc j'ai fait très brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, un petit tour des choses. Et dernière diapo que je vais vous mettre, c'était simplement pour vous montrer que tout cela paraît parfois simple, mais finalement est très complexe, parce que quand on cible non seulement la cellule tumorale, donc il faut la reconnaître, particulièrement pour éviter que les cellules saines autour de la cellule tumorale soient atteintes, mais il faut aussi cibler un mécanisme d'action au sein de cette cellule tumorale qui soit susceptible d'être pertinent, pérenne, stable dans le temps et qui soit driver, comme on dit, c'est-à-dire qui domine la croissance tumorale. Et là, il y a énormément de thérapies qui visent ces voies de signalisation et qui, je l'espère, nous permettront d'améliorer les choses. On estime qu'en fait, 80% des traitements dans les 10 ans à venir en matière de cancer du sein seront des thérapies ciblées.
Voilà, j'ai parlé vite, j'espère que je me suis fait comprendre et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Charles-Antoine. Du coup, en fait, je voulais vous reposer des questions qui nous sont parvenues, notamment à travers mon réseau cancer du sein, en amont de cette présentation. Et vous l'avez bien dit, finalement, on parle d'anticorps à la fois pour les thérapies ciblées, mais aussi pour l'immunothérapie. Alors, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez quand même nous redire la grande différence entre le principe thérapie ciblée et le principe de l'immunothérapie, avec l'exemple du cancer du sein? Alors, je répète, le cancer du sein n'est probablement pas le meilleur exemple de l'efficacité de l'immunothérapie dans son terme générique. À la limite, c'est même assez antagoniste. Une thérapie ciblée se veut très personnalisée, c'est-à-dire reconnaissant la cellule tumorale spécifiquement, et si possible même la cellule tumorale dans un environnement spécifique qui est celui de la patiente, alors que l'immunothérapie telle qu'on la conçoit actuellement est plutôt d'armer, de stimuler, de développer des cellules immunitaires plutôt générales et qui vont finalement aller rendre efficace leur fonction principale qui est d'éliminer une cellule reconnue comme étrangère, comme la cellule tumorale. Alors l'anticorps monoclonal ou l'anticorps conjugué qu'on utilise est un anticorps qui n'a rien, entre guillemets, d'activité immunologique, il ne stimule pas ou très peu l'activité immune, il a pour but simplement de reconnaître très spécifiquement la cellule tumorale par le biais d'un récepteur qui lui est propre. Et ce sont donc nos amis, encore une fois anatomopathologistes, dont je souligne le rôle primordial, qui vont définir la présence ou pas de ces marqueurs, ce qu'on appelle des biomarqueurs, à la surface de la cellule tumorale, susceptibles d'être reconnus par des anticorps. Ces anticorps vont avoir une action soit de blocage du récepteur, soit vont permettre tout simplement une liaison entre l'anticorps qui va libérer la molécule de chimiothérapie ou d'autres, d'ailleurs directement sur la cellule tumorale. Donc je répète, en dehors des cancers du sein triple négatif, l'immunothérapie telle qu'on la conçoit, qui est une immunothérapie de stimulation, de développement de certaines cellules immunitaires dans l'organisme, est très peu utilisée dans les cancers du sein. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question aussi concernant les cancers du sein. Donc, on a parlé de cette grande famille de l'hormonothérapie, des thérapies ciblées autour du récepteur HER2. Mais donc pour certaines patientes, soit pour des raisons familiales, soit dans leur maladie, elles vont être concernées par les mutations BRCA. Et donc, est-ce qu'il y a de nouvelles thérapies ciblées qui arrivent, notamment pour les maladies métastatiques du sein, pour ces patientes-là? Où est-ce qu'on en est sur ces sujets-là? Alors, en quelques minutes, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais vous avez raison, je ne l'ai pas parlé parce qu'effectivement, il s'agit encore une fois d'une population très spécifique, porteuse d'une mutation constitutionnelle qu'on appelle mutation BRCA 1 ou 2, et pour lesquelles il existe effectivement des options thérapeutiques très particulières qu'on appelle les inhibiteurs de PARP, qui sont des thérapeutiques orales, qui viennent bloquer, entre guillemets, une anomalie effectivement spécifiquement retrouvée lorsqu'on est porteuse de cette mutation héréditairement transmise. Alors, ces inhibiteurs de PARP actuellement sont utilisés uniquement en phase de rechute de cancer du sein et sont des options qui viennent, entre guillemets, se substituer éventuellement à certaines chimiothérapies traditionnelles dans ces cancers du sein. Elles ont permis d'améliorer la situation sans pour autant être là aussi aussi intéressantes que ce qu'on peut voir dans les cancers de l'ovaire. Et ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. On appelle ça des thérapies ciblées. Maintenant, on cible un mécanisme d'action particulier et donc une cellule qui possède déjà un déficit dans ce mécanisme d'action. Donc, c'est un peu particulier. On regroupe ça sous le terme de thérapie ciblée, c'est vrai. Mais là aussi, c'est uniquement pour les cancers du sein avec cette mutation. Et ça représente, vous le savez, entre 5 et 10% des cancers du sein aujourd'hui. Merci. Alors, moi, j'ai une question qui est sur le fil et qui me paraît intéressante. Alors, je ne sais pas si c'est le professeur Badoil ou le docteur Antoine qui va y répondre. C'est une question sur l'hétérogénéité de la tumeur et du nombre des cellules qui sont présentes. Est-ce que toutes les cellules cancéreuses possèdent les mêmes cibles et les mêmes signatures, ou est-ce qu'il peut y avoir une hétérogénéité? Et dans ce cas-là, comment fait-on pour choisir un traitement ciblé? Alors, je pourrais peut-être répondre à la deuxième question, et la première question, je laisse répondre ma collègue anatomopathologiste. Alors, évidemment, il y a une hétérogénéité tumorale qu'on va retrouver dans toutes les tumeurs.
L'expression, elle va être en fonction finalement d'une quantité de cellules tumorales qui vont l'exprimer. Alors, HER2 nœud, typiquement, hein, on a une croix, deux croix, trois croix, et c'est très important de savoir combien de cellules, quel pourcentage de cellules vont exprimer ce marqueur. Après, par exemple, le récepteur hormonaux, à partir du moment où il y a quelques cellules sur le prélèvement qu'on va regarder qui l'expriment, on va considérer que c'est positif. Donc, en fait, en fonction du marqueur qu'on va examiner, en fonction finalement du rôle que ça va avoir dans la positivité ou la négativité sur le plan quantitatif, on va avoir des ABAC. Alors, ça permet aussi de dire que les prélèvements, plus on a de biopsies et plus on a un prélèvement de bonne qualité, plus on arrivera à donner une réponse adaptée. Oui, merci. Alors ça, mais je crois que c'est une excellente question parce que l'hétérogénéité tumorale, intratumorale, mais pas uniquement à une phase statique, mais surtout à une phase dynamique de la maladie, est probablement l'un des modes de résistance les plus fréquents à nos thérapies, en tout cas en matière de cancer du sein. Donc c'est une excellente question. Oui, une tumeur est hétérogène, elle l'est. Elle l'est déjà sur son site primitif, elle l'est également sur ses sites métastatiques lorsqu'il y en a. Cette hétérogénéité peut aussi évoluer dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sélection de certains clones sous l'effet du temps, mais aussi de la pression thérapeutique. Bref, c'est vraiment un concept majeur, et c'est vrai qu'il est illusoire de penser que nous pourrions avoir un reflet instantané à un temps X, Y, Z de l'ensemble des composantes d'une maladie tumorale. Néanmoins, il y a des clones qui sont plutôt dominants, c'est-à-dire qui vont emmener la croissance de la tumeur, et c'est cela qu'il faut théoriquement, hein, entre guillemets, viser en premier lieu, et c'est ceux qu'on traite en fait, en sachant qu'on peut être amené à réévaluer nos différentes cibles, et c'est ce qu'on fait au cours du temps, c'est-à-dire qu'on peut faire des biopsies séquentielles dans le temps. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais on parle aussi de biopsies liquides qui nous permettent d'être peut-être un peu moins agressifs sur le fait de la biopsie, qui nous permet aussi surtout de sélectionner probablement le clone le plus agressif, puisque c'est celui qui sécrète le plus d'ADN tumoral circulant, on va dire ça comme ça. Et donc, on peut, par des simples prises de sang, essayer de voir un peu ce qui se passe aussi en termes d'évolution. Mais il y a ce concept dynamique qui est majeur. Quand on prend en charge une patiente ou un patient avec des thérapies ciblées, c'est que la thérapie ciblée au départ ne sera pas forcément celle qui sera celle qu'on utilisera quelques mois ou quelques années plus tard. Et ce concept d'hétérogénéité est un vrai concept de résistance. Et je parle aussi, encore une fois, là, tout simplement dans le choix. C'est-à-dire que aujourd'hui, les anticorps monoclonaux conjugués associent la reconnaissance d'une cible, mais aussi avec des effets qu'on appelle bystander, qui permettent également de libérer des molécules au-delà de la présence ou pas d'un biomarqueur, et qui auraient donc un effet plus large que sur le clone ciblé spécifiquement au départ pour la reconnaissance. Alors, ça paraît un peu complexe, mais je le répète, c'est un vrai concept majeur, l'hétérogénéité intratumorale et surtout évolutive dans le temps, et c'est l'un des concepts de résistance les plus fréquents. Merci infiniment à tous les deux. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur le fil, on y reviendra après. Pour l'instant, on va donner la parole au docteur Léhari, qui va certainement nous parler justement de BRCA. Donc, le docteur Léhari est oncologue médical spécialiste des cancers gynécologiques, chef d'équipe et du laboratoire de recherche translationnelle des tumeurs gynécologiques. Et donc, vous présidez, alors je ne sais pas si je vais réussir à le dire, le GINEGEPS, Association nationale de recherche translationnelle et d'essais précoces pour les cancers gynécologiques. Et vous exercez à Gustave aussi. Merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pourriez nous faire un point pour nous parler justement d'indications pour lesquelles il y a des cibles et où en est la recherche dans tous les cancers gynécologiques, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup. Je veux bien mes diapos si vous les avez. Déjà, je tiens à vous remercier de m'avoir invité parce que les tumeurs gynécologiques ont pendant longtemps été un petit peu l'enfant pauvre des thérapies ciblées, de la médecine personnalisée, et ça commence à changer, d'ailleurs ça change énormément. C'est aussi des tumeurs moins fréquentes, dont on parle moins, et je pense que c'est important de communiquer sur ces tumeurs également, et qui commencent enfin à rentrer dans la grande arène de la médecine personnalisée. Alors, je vois mes diapos. Alors, Julien, est-ce que tu peux mettre les diapos en plein écran, s'il te plaît? Merci. Super. Merci.
Donc, je vais vous parler un petit peu des thérapies ciblées et même de la médecine personnalisée dans les tumeurs gynécologiques. Et j'ai décidé de prendre trois exemples. Un pour les cancers de l'ovaire, un pour les cancers de l'endomètre et un pour les cancers du col. Donc, pour représenter un peu les trois grands types tumoraux. Et en fait, dans les cancers gynécologiques, on a tendance à cibler le talon d'Achille de ces tumeurs. C'est un peu l'illustration que j'ai choisi de prendre aujourd'hui. Le premier, ça va être dans le cancer de l'ovaire, où on a eu un vrai succès de thérapie ciblée, où on a pu comprendre leur talon d'Achille, quelle était un peu une faiblesse qu'on pouvait exploiter. Et dans les cancers de l'ovaire, eh bien, à peu près la moitié des cancers de l'ovaire ont un défaut de réparation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça veut dire que les cellules, toujours, quand elles se divisent, elles sont constamment en train de faire des erreurs et elles les réparent. Et par définition, une tumeur qui se divise extrêmement vite fait énormément d'erreurs et doit beaucoup réparer. D'accord? Et les cancers de l'ovaire, certains cancers du sein également, ont des défauts de réparation. Ils ont du mal à réparer leurs cellules. En soi, elles survivent très bien. Mais ça peut être une faiblesse qu'on peut exploiter à des fins thérapeutiques. Et là, je vais faire un peu... mes diapositives sont beaucoup moins sophistiquées. Mais c'est pour l'illustrer. Donc, les cancers de l'ovaire qui ont des défauts de réparation, notamment les cancers de l'ovaire associés à une mutation BRCA, dont a parlé mon collègue il y a quelques minutes, il leur manque un mécanisme de réparation. Vous imaginez une cellule normale, c'est une table bien stable avec quatre pieds, quatre mécanismes de réparation. Un cancer de l'ovaire avec un défaut de réparation est un peu bancal, mais arrive plutôt bien à survivre avec un système de réparation qui ne fonctionne pas. Mais ça devient une cible thérapeutique parce qu'on peut venir couper essentiellement un autre pied de cette table avec un médicament qui s'appelle les inhibiteurs de PARP. Et si vous faites ça dans une cellule normale, eh bien, elle survit, elle est bancale, mais elle survit. Par contre, vous faites ça dans une cellule avec un défaut de réparation, eh bien là, ça devient mortel pour cette cellule. Elle ne survit pas à cette perte de deux mécanismes de réparation. D'accord? Et donc, la catégorie des médicaments qui s'appelle les inhibiteurs de PARP tue de manière sélective les cellules de cancer de l'ovaire avec un défaut de réparation en laissant les cellules normales tranquilles. Ça, c'est une définition de la thérapie ciblée, c'est-à-dire qu'elle cible quelque chose qui est unique au cancer en laissant les cellules normales tranquilles. Et donc là, on a vraiment un exemple avec les inhibiteurs de PARP dans les cancers de l'ovaire et ça s'applique à peu près la moitié de nos patientes, pas simplement nos patientes avec une mutation BRCA. Ces médicaments sont arrivés en 2015, au début juste pour les tumeurs BRCA mutées et maintenant, plus on avance dans la recherche et on comprend mieux ces cancers, bien aujourd'hui, on arrive à le proposer. Ça peut être efficace pour peut-être la moitié de nos patientes, même quand elles n'ont pas de mutation, d'accord? Parce qu'elles ont un défaut de réparation. Donc ça, c'était vraiment le premier exemple de la thérapie ciblée dans les tumeurs gynécologiques. On les a compris, on a trouvé leur talon d'Achille, on a su le cibler pour bien les contrer. Je vais vous donner un deuxième exemple de thérapie ciblée contre le cancer de l'endomètre. Et comme à nouveau mon collègue a dit tout à l'heure, l'immunothérapie en elle-même n'est pas très spécifique. À moins qu'on ne l'offre pas à toutes nos patientes, mais qu'on ne l'offre que à des patientes à qui ça va être bénéfique, en personnalisant le traitement. C'est-à-dire qu'on ne va pas offrir à tous nos cancers de l'endomètre la même chose, mais on va essayer d'adapter le traitement pas à tous les cancers de l'endomètre, mais à votre cancer de l'endomètre. Et là, on a un exemple un petit peu dans les cancers de l'endomètre et les immunothérapies. Alors, avant d'avancer là-dessus, il faut rappeler un petit peu comment fonctionnent les immunothérapies. On sait que le système immunitaire qu'on a, nos globules blancs, arrive à contrer et à éliminer des corps étrangers, comme les virus ou les bactéries. Et on sait également, comme l'illustre cette figure, que dans certains cas, nos cellules immunes peuvent aussi attaquer les cellules de cancer, parce que quelque part, c'est une forme de corps étranger. Résultat, il y a eu un développement d'immunothérapies qui ont pour but de stimuler nos cellules du système immunitaire à attaquer le cancer, comme ces cellules savent déjà attaquer les bactéries ou les virus. Donc, où est-ce qu'on en est dans les tumeurs gynécologiques? Alors, dans les cancers de l'ovaire, où ça ne marche pas très, 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 très bien. Mais ça va marcher dans certains cancers de l'endomètre. Et là, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que certains cancers, comme le cancer du poumon par exemple, répondent particulièrement bien aux immunothérapies.
En fait, c'est parce que plus les cellules tumorales sont différentes du patient ou de la patiente, du soi, plus ces cellules de cancer vont apparaître comme étrangères et donc vont être reconnues comme non-soi par le système immunitaire. D'accord ? Et quand le système immunitaire, ce sont des soldats qui passent dans tout le corps, voient des cellules qui apparaissent étrangères, c'est là où on peut déclencher une attaque contre ce corps étranger. Donc, comment les cellules immunitaires vont reconnaître le cancer comme étranger ? Ben, c'est assez simple. Ça va être plus la cellule de cancer ne ressemble pas à une cellule normale. D'accord ? Donc, si vous avez une cellule normale, vous voyez ici, qui est toute ronde, qui est parfaite, eh bien, plus la cellule tumorale va s'éloigner de l'apparence d'une cellule normale, et ressembler à ça, c'est vraiment très caricatural, eh bien, plus ses chances de répondre à une immunothérapie sont élevées, parce que plus la cellule tumorale apparaît étrangère, plus il y a des chances qu'elle va attirer l'attention du système immunitaire. Quelle implication dans le cancer de l'endomètre ? Eh bien, les cancers de l'endomètre, certains, qui sont ce qu'on dit MSI, eh bien, ils ont, pour caricaturer, un cancer qui ressemble vraiment pas du tout aux cellules normales. D'accord ? Donc, les cancers MSI, c'est à peu près un quart des cancers de l'endomètre. Le MSI est un biomarqueur particulier qui identifie donc un quart des cancers de l'endomètre qui ont la caractéristique d'être très, 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 ce qu'on appelle mutés. Ils sont vraiment complètement différents d'une cellule normale. Eh bien, ces tumeurs-là vont très bien répondre à l'immunothérapie. D'accord ? Non seulement 50% des patients vont répondre, mais quand elles répondent, les réponses sont très prolongées. On a des patients qui font des réponses complètes, la maladie est éliminée complètement, on arrête l'immunothérapie et la maladie ne revient pas, en tout cas pour l'instant. Donc, ce qu'on voit dans le mélanome et le poumon, donc vraiment très impressionnant. Donc, ce n'est pas forcément une thérapie ciblée. Par contre, c'est vraiment une façon de personnaliser nos traitements pour nos patients avec un cancer de l'endomètre. On ne va pas donner une immunothérapie à tous les cancers de l'endomètre. Par contre, si on a un cancer de l'endomètre qui a ce biomarqueur MSI, eh bien, ça prédit une réponse aux immunothérapies. C'est en plus un biomarqueur qui est relativement fréquent, un quart de nos patientes. Et aujourd'hui, de plus en plus, les immunothérapies deviennent disponibles. Alors, dans le cadre d'essais ou d'autres moyens, aux États-Unis, c'est disponible, mais pas encore en France. Mais il y a énormément d'essais et vraiment, c'est un traitement qui est très, très encourageant pour des cancers de l'endomètre avec ce biomarqueur particulier. Le dernier exemple que je vais donner, c'est le cancer du col de l'utérus. Alors, est-ce qu'on a des thérapies ciblées ? On en a, mais aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la prévention ciblée contre le cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce qui est particulier du cancer du col de l'utérus ? Et ça a été introduit un petit peu plus tôt, c'est que, en fait, le cancer du col est une maladie virale. D'accord ? Pour avoir un cancer du col, il faut avoir eu le virus avant. Ce virus, c'est le virus HPV, ou le virus papilloma humain, et il est impliqué dans quasi 98, voire 100% des cancers du col. Ce virus, au bout d'un moment, peut mener à un cancer du col de l'utérus. Donc, essentiellement, le cancer du col, c'est une maladie virale, contagieuse, donc par définition, qu'on peut prévenir. D'accord ? Et ce virus est très fréquent, à peu près 80% d'entre nous auront été porteurs à un moment donné dans notre vie. Cependant, malgré avoir été exposé, on ne développe pas tous, Dieu merci, un cancer du col ou un cancer de la tête et du cou, qui est un autre cancer associé à ces virus. Pourquoi ? Et là, il faut comprendre un peu comment marche ce virus. On est exposé au virus HPV et la plupart d'entre nous arrivent à l'éliminer. Mais une petite minorité de patients exposés à ce virus, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, n'arrivent pas à éliminer le virus. Et malheureusement, à ce moment-là, le virus persiste. Il s'installe, il cause une lésion pré-invasive et peut au bout d'un moment causer un cancer. D'accord ? Mais si on élimine le virus HPV, on élimine le cancer du col. Vous n'avez pas de virus, vous ne pouvez pas faire un cancer du col. Et vous éliminerez 100% des cancers du col et peut-être 50% des cancers de la tête et du cou. Donc pour moi, dans le col, j'ai choisi de parler d'un vaccin qui représente une prévention ciblée, d'accord ? Le vaccin contre l'HPV. Il prévient plus de 90% des cancers du col, on a enfin les données avec suffisamment de recul. Et pour moi, ça, c'est plus efficace que toute thérapie ciblée. On n'a aucune thérapie ciblée qui a un taux de réponse de 90%. D'accord ? Et là, on évite un cancer avec toutes les morbidités et les toxicités de traitement.
Donc, mon petit message, c'est vacciner vos enfants. On est le pays de Pasteur et on a la pire couverture vaccinale au monde. Donc, voilà, c'était mon petit moment santé publique. Et aussi parce que je prends en charge ces patientes et croyez-moi, vous ne voulez pas avoir un cancer du col. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Léhari. Et du coup, c'est l'occasion de peut-être de rappeler d'ailleurs que depuis peu de temps, cette vaccination est donc proposée aux jeunes filles depuis plusieurs années, mais tout récemment aux jeunes garçons. Donc, juste un petit mot là-dessus. Pourquoi l'ouverture aux petits garçons, enfin aux jeunes garçons? Alors, pour moi, ça paraît logique. Vous parlez d'une maladie contagieuse, de vacciner que 50% de la population, sachant qu'on n'arrive jamais à vacciner toute la population cible, n'a pas de sens. Les garçons sont porteurs, hein, asymptomatiques, donc il faut vacciner tout le monde, première raison. Deuxième raison, c'est qu'il y a d'autres cancers qui sont en lien avec l'HPV, comme le plus fréquent, c'est de la tête et du cou, mais il y a d'autres cancers également, et il faut les prévenir aussi. Tout cancer qui est induit par une maladie virale n'a plus de raison d'être dans un pays avec un accès au vaccin, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, sur mon réseau cancer gynéco, c'est organisé par groupe parce que, comme vous l'avez dit, les cancers gynéco, c'est plusieurs maladies très différentes. Et il y a quand même pas mal de questions, si on revient plutôt à la thématique de ce soir sur les thérapies ciblées, sur la notion de traitement de maintenance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, finalement, est-ce que toutes les thérapies ciblées sont destinées à des traitements de maintenance ou pas du tout? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le traitement de maintenance, ça veut dire qu'on met un traitement après avoir obtenu une réponse par chimiothérapie. Dans le cancer de l'ovaire, c'est particulièrement logique parce que le cancer de l'ovaire reste très sensible à la chimiothérapie à base de sel de platine. Donc, le but, c'est d'obtenir une grosse réponse avec le traitement à base de sel de platine et ensuite d'introduire un traitement, comme il le dit, en entretien pour maintenir cette réponse. Donc, typiquement, avec des thérapies qui sont plutôt bien tolérées. Et en France, en tout cas, les inhibiteurs de PARP sont uniquement disponibles en entretien. Merci, Madame Léhari. Je crois que Cécile Badoil va rentrer aussi pour rajouter une petite couche sur la vaccination et propos qu'on partage complètement avec vous pour les petits garçons et les petites filles. J'avais une question avant, parce que beaucoup de femmes nous ont partagé sous thérapie orale, dans les cancers gynécologiques, des effets indésirables et un impact sur la qualité de vie. Est-ce que vous auriez des conseils, des ressources, des liens à partager avec elles pour justement que cette qualité de vie soit le plus acceptable et préservé possible, s'il vous plaît? Ouais. Alors, effectivement, on a tendance à se dire parce que c'est un comprimé, il n'y a pas d'effet secondaire et pas d'impact sur la qualité de vie. Le problème, c'est que comme c'est des traitements en entretien, donc au long cours, comme les hormonothérapies dans le cancer du sein, eh bien, même si ce sont des petits effets secondaires, qu'on peut dire sur un jour, c'est pas grand-chose, mais en fait, si c'est tous les jours, ça devient lourd à porter pour certaines patientes. Et c'est important de pouvoir maintenir le traitement. On sait que si les patientes sont moins fidèles à leur traitement et arrêtent, reprennent, etc., l'efficacité peut être compromise. La première ressource, c'est de s'orienter vers leur médecin. Il y a souvent des infirmières de suivi qui peuvent aussi aider. Il y a certains centres qui ont également des suivis téléphoniques par des infirmières spécialisées qui peuvent vraiment aider dans la compliance. Il y a des petites choses qu'on peut faire comme prendre le comprimé avec une petite collation, ça aide énormément. On peut faire des interruptions très courtes, mais il faut toujours en parler avec son médecin. Donc, il y a des petites choses à faire. Vraiment, j'encourage à parler et au médecin et souvent, si vous avez la chance d'avoir accès à des infirmières de suivi à travers votre hôpital, ça peut vraiment être très utile. Et alors, juste un dernier mot, quelqu'un qu'on a fait intervenir à plusieurs reprises et que je pense que vous connaissez bien, Madame Léhari, Florian Scotté, qui est vice-président de l'AFSOS, qui est l'association francophone des soins oncologiques de support, peut être aussi une ressource. On va vous mettre pas le docteur Scotté, mais son association peut être une ressource. Donc, on va vous mettre le lien sur le chat également.
Et j'en profite pour dire d'ailleurs que sur le site de l'EFSOS, il y a des onglets spécifiques pour accompagner les patients touchés par un cancer de l'ovaire, avec un petit bullet journal, avec des petits conseils. Voilà. Donc, on peut trouver aussi des ressources diverses que les associations de patients qui sont donc Imagine et Mon Réseau Cancer Gynéco relaient également aussi. Donc, je crois que c'est aussi important de les mettre dans les références pour les personnes qui ne les connaîtraient pas. Professeur Badoual, si vous allumez votre micro, c'est à vous. Alors, non, en fait, je voulais rajouter qu'il y a plusieurs cancers qui sont liés au virus. Hein. Il y a le papillomavirus, mais bien sûr, il y a d'autres virus comme l'Epstein-Barr virus ou d'autres. Donc, pour focaliser sur le papillomavirus, en effet, on a la chance de pouvoir avoir un vaccin. Et maintenant, on l'a montré, je vous ai montré des diapositives de vous montrer l'évolution d'un cancer. C'est long, c'est parfois en passant par des stades précancéreux et il a fallu attendre longtemps pour montrer que l'action d'empêcher le papillomavirus par ce vaccin qui est efficace empêche finalement au début d'avoir des cellules qui étaient anormales, qu'on va aller chercher au frottis, et maintenant qui l'empêche avec le temps, avec les 10 ans de recul qu'on a, puisque c'est une évolution lente pour les cancers du col de l'utérus, eh bien on a cette évolution qui permet de montrer qu'il y a moins de cancers. Et donc c'est de fait la meilleure thérapeutique, c'est d'empêcher ce virus de rentrer un jour dans les cellules tumorales, parce qu'ensuite il y reste et ça induit une surveillance et un risque qu'on ne connaît pas, de savoir qui, à un moment donné, va faire un cancer. Et puis, deuxièmement, je suis spécialisée dans les cancers ORL. Et oui, il y a des patients, des hommes à 80% et des femmes qui ont des cancers ORL au niveau de la gorge, au niveau des amygdales, qui sont liés au papillomavirus. Et là, malheureusement, pour ces cancers-là, à l'heure actuelle, on n'a aucun moyen d'aller chercher la présence de ce virus. Et donc, malheureusement aussi, 80% de ces patients arrivent déjà avec des métastases, même si c'est associé à un meilleur pronostic, de ce cancer. Donc, de fait, non seulement on protège les filles en vaccinant les garçons, mais on protège aussi les garçons en vaccinant les filles. Et c'est pas juste un truc comme ça qu'on vient de découvrir. Il faut bien vous rendre compte qu'à l'heure actuelle, dans certains États, par exemple des États-Unis, il y a plus de cancers de l'oropharynx, c'est-à-dire de la zone où il y a l'amygdale, que de cancers du col de l'utérus, parce que justement, les petites filles sont plus vaccinées. Merci infiniment. On va devoir avancer, donc on reprendra certaines des questions. Merci à tous pour vos questions, car nous devons accueillir maintenant le docteur Emmanuel Samalin, qui est gastro-entérologue à l'ICM, donc c'est un centre anti-cancer de Montpellier, et qui préside justement au sein d'Unicancer, donc la fédération de tous les centres anti-cancer, le groupe gastro-intestinal, et donc elle va nous parler des thérapies ciblées les tumeurs digestives. Bonsoir docteur Samalin, bienvenue parmi nous. Bonsoir à tout le monde, merci beaucoup de m'avoir invité à parler de cette spécialité. Alors bien sûr, je ne vais pas parler de tous les cancers digestifs, ce serait beaucoup trop long en 10 minutes, mais on va surtout faire un focus sur le cancer colorectal. Et le cancer de l'anus, ben, je vais juste en profiter pour faire une petite transition avec ce qui a été dit précédemment, puisque c'est un cancer donc qui se situe au niveau de l'anus et qui est très lié également dans 95% des cas au virus HPV. Et donc, je vais dans le même sens que mes collègues pour, bien sûr, stimuler la vaccination de nos jeunes enfants, pour essayer d'éviter au maximum ces tumeurs. Alors, bien sûr, qui sont plus rares que les cancers du col et les cancers ORL, mais qui représentent 1 à 3% des tumeurs digestives. Donc, ça, c'était pour le cancer du canal anal. Alors, pour le cancer colorectal, c'est vrai que les thérapies ciblées concernent surtout les cancers colorectaux métastatiques. En situation de cancer chirurgical, c'est-à-dire où on peut traiter avec une chirurgie complète et derrière une surveillance, on se pose plutôt la question de savoir si on fait une chimiothérapie derrière pour sécuriser le geste chirurgical,
D'ailleurs, ça peut être avant ou après. On peut y rajouter des rayons si c'est un rectum. Mais on ne va pas se poser forcément la question d'une thérapie ciblée. Et on va simplement utiliser les fameux biomarqueurs pour savoir si justement, il va falloir ou pas assurer cette chimiothérapie de sécurité, et notamment pour les patients qui ont la fameuse instabilité microsatellitaire dont vous venez d'entendre parler, les MSI, ou pour cela spécifiquement, parfois, dans certaines situations, on peut se passer de faire la chimiothérapie post-opératoire. Mais là, on va vraiment parler de la situation des cancers colorectaux métastatiques. Donc, je peux avoir ma première diapositive. Vous pouvez dépasser. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, en fait, cette diapositive, ce n'est pas du tout pour impressionner avec les chiffres, c'est simplement vous montrer un petit peu le parcours des traitements dans le cancer colorectal métastatique depuis 20 ans, avec essentiellement des chimiothérapies, des monothérapies initialement, puis des combinaisons de chimiothérapies, et finalement l'arrivée des thérapies ciblées à partir de 2004, avec notamment ce qu'on appelle les anti-angiogéniques, qui vont agir contre cette vascularisation nécessaire à la formation de la tumeur. Et puis, l'arrivée ensuite des antiproliférants, donc ce qu'on appelle les anti-EGF récepteurs. Donc, c'est ça, c'est vraiment des antiproliférants tumoraux qui, associés à la chimiothérapie, faisaient mieux que la chimiothérapie seule. La suivante. En fait, je peux les passer. Oui, j'ai compris. Alors, ce dont on s'est aperçu, c'est que les patients qui avaient une mutation du gène RAS, donc que vous voyez ici en violet, eh bien, ces patients ne répondaient pas à ces fameux anticorps anti-EGFR et que du coup, cette mutation devenait, comme vous l'a dit l'anatomopathologiste initialement, vraiment un facteur prédictif de réponse à ce traitement. Donc, si on a cette mutation du gène RAS, en fait, le signal induit par l'anticorps ne peut pas pénétrer la cellule, ne peut pas pénétrer l'intérieur de la cellule. Ça fait un peu comme l'effet d'un disque rayé et du coup, il n'y a pas d'intérêt à rajouter l'anticorps. Donc, ça, c'est vraiment majeur d'avoir ce résultat lorsqu'on prend en charge un cancer du côlon qui est métastatique parce que d'emblée, on va savoir si oui ou non, ça vaut le coup d'utiliser cet anticorps. La suivante. Alors, c'est à moi, pardon, j'ai trop l'habitude. Vous avez ici toutes les anomalies moléculaires que l'on peut trouver dans le cancer colorectal maintenant. Donc, vous avez la principale qui est donc la présence ou pas d'une mutation de RAS. Maintenant, une information importante qu'on demande aussi, c'est la mutation de BRAF qui représente à peu près 8%. Et puis, une information très importante parce que c'est la porte ouverte potentielle à l'immunothérapie, c'est le fameux statut MSI, mais voyez qu'il représente 5% à peu près des cancers colorectaux. C'est peu, mais pour le coup, si jamais c'est présent, c'est vraiment un changement thérapeutique et surtout des résultats qui sont plus favorables aussi. Donc, voyez que 45% des patients vont être mutés RAS. Donc, c'est des patients qu'on va plutôt traiter avec des anti-angiogéniques, dont je vous ai parlé initialement. Et puis après, nous allons voir les différentes anomalies, comment on peut cibler, quelles sont les avancées. Donc, actuellement, est disponible, en tout cas, ça allait pour le moment en autorisation temporaire d'utilisation un anti-BRAF qui s'associe en fait avec l'anti-EGFR pour les patients qui ont une mutation BRAF V600E. Donc, c'est une des mutations, c'est la plus fréquente des mutations BRAF. Et l'association de ces deux molécules lorsqu'on a déjà reçu une chimiothérapie a montré un bénéfice en termes d'efficacité. Et puis, il y a la possibilité aussi de retraiter une tumeur par un traitement déjà reçu antérieurement dès lors qu'on a fait un autre traitement entre-temps. Donc ça, c'est des notions aussi qui sont intéressantes. Et souvent,
c'est la cible initiale et la réponse au traitement initial qui va nous autoriser, entre guillemets, à rechallenger finalement cette tumeur avec ce traitement. L'immunothérapie, on en a parlé, même si c'est 5% des patients, quand on peut traiter en immunothérapie, c'est quand même, ça change complètement les résultats. Et puis, il y a des biomarqueurs émergents, des biomarqueurs dont on a déjà entendu parler. On les a mis en évidence au fur et à mesure des études parce qu'on voyait qu'il y avait des résistances à des traitements qui auraient dû marcher normalement parce qu'il y avait les bons biomarqueurs. Et on voyait que finalement, les patients étaient quand même résistants. Donc, c'est comme ça qu'on les a mis en évidence. Donc, on a pu… Alors, ce sont actuellement des molécules qui ne sont pas encore disponibles, mais dont on a des résultats intéressants. Donc, il y a la possibilité là aussi pour un faible pourcentage de patients d'avoir une surexpression HER2, donc un peu comme dans le cancer du sein. Ça nécessite une double inhibition donc à deux niveaux. Il y a aussi la possibilité d'y associer une chimiothérapie avec ce qu'on appelle un anticorps conjugué. Donc, ça, c'est des résultats prometteurs pour les patients qui ont cette anomalie moléculaire. Après, il y a des choses beaucoup plus rares, mais quand on les trouve là aussi, il y a des molécules en regard qui sont une anomalie des protéines de fusion. Donc là, ça demande des recherches un peu plus approfondies que ce qu'on fait actuellement. Donc, on fait des demandes un petit peu spécifiques et on essaye de sélectionner les patients à qui on va demander. Et pour ça, on sait que ceux qui n'ont pas la mutation de RAS ou ceux qui ont justement une instabilité microsatellitaire qui sont MSI, eh bien, on va plutôt le demander chez ces personnes-là. Et puis, pour ceux qui sont mutés sur le gène RAS et donc qui n'ont accès actuellement qu'aux anti-angiogéniques, finalement qui n'ont pas vraiment de biomarqueurs, ben, on voit que quand même, ceux qui ont une mutation qu'on appelle la mutation G12C, eh ben, il y a aussi des molécules tout à fait prometteuses. Alors, tout ça, c'est des cibles, c'est très intéressant, mais il n'empêche que la réflexion, elle n'est pas uniquement basée, quand on prend en charge un patient atteint de cancer colorectal métastatique, sur l'anomalie moléculaire. C'est une prise en charge évidemment globale, donc j'insiste quand même là-dessus, parce qu'on se pose aussi souvent la question, même en situation métastatique, de savoir si on ne va pas pouvoir opérer certaines métastases une fois qu'on a obtenu une réponse préalable, par exemple, à une chimiothérapie. Et on va prendre en compte un certain nombre de critères. Donc là, je vous les ai mis, on ne va pas en discuter, mais c'est pour vous expliquer que ça rentre quand même dans une stratégie. Ce n'est pas simplement on analyse du matériel tumoral, il y a une cible et on traite avec la thérapie en regard. Il y a quand même une vision globale avec une discussion aussi morphologique de la tumeur, morphologique au niveau des métastases, et puis voir aussi si on peut avoir accès à d'autres thérapeutiques innovantes. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, c'est vrai que ce que je trouve aussi assez intéressant de voir ce soir, c'est qu'on voit qu'il y a des ponts entre vous, avec notamment finalement des cancers MSI dans le cancer du côlon, dans le cancer de l'endomètre, etc. Est-ce que finalement cette approche est en train de bouleverser, on va dire, la façon dont vous abordez les thérapeutiques? Est-ce que du coup il y a des ponts entre vous quand ça marche bien et que, enfin, comment ça marche avec tous ces récepteurs? Ce qu'on entend, c'est quand même un peu du chinois pour la plupart d'entre nous, tous ces petits noms de mutations. Comment ça fonctionne en fait pour se dire, bah tiens, par exemple dans le côlon ça va être plutôt celui-là et puis dans tel autre est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? C'est vrai que je peux commencer. On a quand même des études en commun qu'on appelle des cohortes un petit peu multi-cohortes, multi-localisation, où en fait on va regarder sur chaque tumeur comment l'anomalie moléculaire est surexprimée ou mutée, ou voilà. Et on va aller regarder sur plusieurs localisations comment la molécule en regard, donc la drogue active contre cette cible,
va fonctionner. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est déjà, avant de se lancer dans des grandes études, en comparant à ce qu'on fait habituellement, on va déjà commencer par voir s'il n'y a pas un signal d'efficacité. Et ce signal d'efficacité, parfois, il va être pertinent dans toutes les tumeurs. Parfois, il va être pertinent plus particulièrement dans une localisation. Et c'est un peu comme ça qu'on avance. Et du coup, en fait, un petit peu comme, par exemple, dans le cancer du sein, on a vu que ce récepteur HER2, au départ, il a été effectivement recherché plutôt pour des patientes avec une maladie avancée. Puis petit à petit, c'est entre guillemets devenu vraiment quelque chose qui est recherché chez toutes les patientes, puisqu'il y a cette stratégie ciblée qui est possible et donc qui concerne des patientes même pour des cancers qui ne sont pas métastatiques. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les cancers colorectaux, où vous nous avez expliqué que pour le moment, on est quand même beaucoup dans des maladies avancées, voire de la recherche très précoce, est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, il y aura comme ça des groupes avec des thérapies ciblées? Tout à fait, il y aura des groupes. Alors après, en situation non métastatique, il y a un certain nombre de thérapies ciblées qui ont été testées, notamment les anti-angiogéniques, les anti-EGFR, et pour le coup, ça n'a pas apporté de gains supplémentaires par rapport à une chimiothérapie seule. En revanche, l'immunothérapie, par exemple, pourrait être, sur ces patients qui sont MSI, pour le coup, beaucoup plus intéressante. Mais pour le moment, on est encore dans des phases de recherche où on est plutôt orienté sur les patients métastatiques. Pour revenir à HER2, au niveau du cancer colorectal, c'est vraiment ça reste une niche de patients. Par exemple, dans l'estomac, on est beaucoup plus confronté parce qu'on a, on est entre 10 et 30% de tumeurs positives HER2. Là, pour le coup, c'est un examen, c'est comme le rat dans le côlon. C'est-à-dire, on commence pas à traiter un cancer de l'estomac tant qu'on n'a pas cherché HER2. Donc, il y a aussi des cibles plus ou moins pertinentes selon les localisations. Merci. Merci beaucoup. Et c'est vrai que je trouve ça extrêmement intéressant de voir justement les ponts, les liens entre les différentes spécialités, les différentes expériences. Et je vois une question qui fait exactement le lien avec l'intervention du docteur Ménossier que nous allons avoir maintenant, qui est sur les mutations de résistance. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait anticiper l'évolution des thérapies ciblées avant qu'elles ne répondent plus favorablement? Donc ça, je ne vais pas vous poser la question parce que je crois que dans vos slides, docteur Ménossier, vous avez l'intention de nous en parler. Donc vous êtes pneumo-oncologue au CHU de Strasbourg, responsable de l'unité d'hospitalisation d'oncologie thoracique et très impliqué dans la recherche clinique en tant que membre de l'intergroupe francophone de cancérologie thoracique. Et nous avons eu beaucoup de questions en amont également sur votre indication. Donc nous vous laissons la parole et nous vous passons vos slides. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci surtout pour l'invitation. Merci Auréane, merci Laure. Alors, effectivement, alors, moi je ne vais pas vous parler d'immunothérapie parce que dans l'esprit des oncologues thoraciques, thérapie ciblée et immunothérapie, c'est vraiment l'antagonisme parfait et on pourra en parler un petit peu à la fin si vous voulez, mais on a parlé tout à l'heure de la proximité des anomalies moléculaires chez les patients qui ont des cellules tumorales et si c'est trop proche du système, enfin des cellules du soi, eh bien le système immunitaire finalement reconnaît assez mal ces cellules tumorales comme étant des cibles thérapeutiques et donc chez les patients avec les mutations qui nous intéressent nous en tout cas, l'immunothérapie en monothérapie ne marche pas très bien, c'est pour ça que j'ai choisi volontairement de ne pas en parler. Laure, si tu trouvais que c'était du chinois tout à l'heure, ça ne va pas s'arranger parce que nous, les thérapies ciblées ont connu une vraie révolution en oncologie thoracique. Ça a été vraiment une avancée thérapeutique majeure pour nos patients avec la compréhension des voies de signalisation qui gouvernent les cellules. Et vous savez que pour mémoire, les cellules, quelles qu'elles soient, normales ou tumorales, communiquent avec leur environnement via des messages qui circulent par des ligands qui activent des récepteurs. Et ces récepteurs, une fois activés, lancent une cascade de signalisation qui vont donner des informations au noyau
pour proliférer ou au contraire mourir, avoir un caractère invasif, etc. Et donc, nous, ce qui nous intéresse particulièrement sont les récepteurs de la famille HER. On a vu tout à l'heure les hyperexpressions d'HER2. Nous, on s'intéresse plutôt à des mutations des récepteurs, des mutations qui font que le récepteur n'a finalement plus besoin d'être activé par un ligand externe, mais qui va s'activer spontanément et envoyer des signaux de prolifération incessants à la tumeur. Ce qui nous intéresse particulièrement sont ce qu'on appelle les drivers oncogéniques, c'est-à-dire des voies de signalisation dans lesquelles la cellule va devenir dépendante. Et si on arrive à couper cette voie de signalisation par des médicaments, eh bien, la cellule n'a plus cette information de prolifération et de survie. Et donc, au pire, elle arrête de proliférer, au mieux, elle meurt. Donc, ce qui se passe d'habitude, c'est que le ligand active le récepteur. Il y a une dimérisation du récepteur avec un récepteur de voisinage qui est souvent le même, mais qui peut être un autre de la même famille. Et ensuite, via des mécanismes de phosphorylation à l'intérieur de la cellule, eh bien, il y a activation. Donc, on peut aller bloquer soit directement ce récepteur, soit des relais qu'on connaît bien et qui peuvent servir de piste thérapeutique. Alors, ça a considérablement changé notre pratique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Puisque jusqu'à présent, nos collègues ANAPAT se contentaient de nous dire c'est un cancer non à petite cellule et on reconnaît vaguement une origine glandulaire, c'est un adénocarcinome, ou plutôt ça ressemble à de la peau, c'est de l'épidermoïde, ou alors on voit bien que c'est du non à petite cellule, mais on ne sait pas dire si c'est l'un, c'est l'autre, alors c'est une grande cellule peu différenciée. Et bien maintenant, tous les cancers non épidermoïdes métastatiques doivent faire l'objet d'un démembrement moléculaire, d'un séquençage et d'une recherche de toutes ces anomalies moléculaires qu'on connaît bien maintenant et pour certaines pour lesquelles on a des traitements très intéressants. Alors ces anomalies, on les connaît bien, elles sont les mêmes mais avec des fréquences très différentes chez des patients fumeurs par rapport à des patients non fumeurs, ce qui explique qu'on teste tout le monde, on teste également les fumeurs, même si on voit par exemple que ces anomalies de l'EGFR, du récepteur à l'EGF, eh bien, elles sont beaucoup plus fréquentes chez les patients non fumeurs que chez les fumeurs, 4,2%. Mais néanmoins, elles existent chez les patients fumeurs, et il ne faut pas les rater parce que l'implication thérapeutique est majeure. Et ça explique également que si vous êtes non fumeur et que vous développez un cancer du poumon, non seulement la découverte de ces anomalies moléculaires permet d'expliquer pourquoi ce cancer est survenu, mais également d'avoir une piste thérapeutique tellement intéressante que si nos collègues ANAPAT ou biologistes moléculaires n'arrivent pas à déterminer s'il y a une anomalie moléculaire, eh bien, il est possible qu'on vous propose de rebiopsier. On a dit tout à l'heure que les ANAPAT sont très gênés par la petite taille des biopsies qu'on peut faire. On a des toutes petites pinces en endoscopie, donc on a des fois du mal à avoir suffisamment de matériel pour faire ces analyses. Un cancer chez un non-fumeur, eh bien, on pousse et on rebiopsie au besoin pour essayer d'identifier. Vous voyez que seul un patient sur trois même, n'a pas d'anomalie identifiée à l'issue de la recherche. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, parce que sur cette étude qui était dédiée aux patients non-fumeurs, vous voyez que là, on retrouvait 50% de mutations EGFR, et on pourrait se dire, c'est magnifique, un non-fumeur, on peut lui donner un traitement anti-EGFR, même si on n'a pas la preuve, parce que dans un cas sur deux, ça va marcher. Non, malheureusement, toutes les mutations d'EGFR ne se valent pas. Elles peuvent concerner différents exons, c'est-à-dire les petits segments d'ADN sur lesquels elles surviennent, et il y a des mutations qui sont activatrices, effectivement, et les bloquer, c'est apporter un bénéfice aux patients, mais il y a des mutations qui sont des mutations de résistance d'emblée, et puis certaines mutations dont on ne connaît pas la signification en termes thérapeutiques et on ne peut pas anticiper la réponse. Donc vous voyez qu'en fonction de l'exon qui est concerné, si on vous annonce une mutation sur le GFR, eh bien, ça ne signifie pas automatiquement la présence d'une thérapie ciblée qui existe et qui est efficace. Alors, comment est-ce qu'on bloque ces voies de signalisation? On en a déjà un petit peu parlé. Il y a plusieurs mécanismes, certains qui sont utilisés en oncothoracique et d'autres pas. On avait utilisé quelques fois des anticorps monoclonaux pour aller bloquer le ligand et l'empêcher de venir activer la voie de signalisation. Mais on a dit tout à l'heure que cette voie de signalisation n'est plus forcément dépendante du ligand, donc ça marche pas très très bien. On peut aller leurrer le récepteur en lui mettant un anticorps monoclonal, ou bien on peut tout laisser faire à l'extérieur et venir bloquer. C'est ce qu'on fait le plus fréquemment avec nos petites molécules, les traitements par voie orale. C'est-à-dire aller bloquer l'activation en intracellulaire. Alors normalement, il y a une petite animation, mais tant pis.
Pour ALK et ROS, ce ne sont pas des mutations ponctuelles sur les gènes qu'il va falloir rechercher en séquençage de biologie moléculaire, mais la technique d'identification est un petit peu plus complexe parce qu'en fait, ce sont des fusions avec un gène partenaire. Et donc, il va falloir faire des techniques d'identification qui passent par de l'hybridation in situ, etc. Et donc, c'est un petit peu plus complexe, mais le principe est le même puisque ça va être un problème de protéines anormales ou de protéines en excès qui va être fabriquée lorsque le gène partenaire va s'activer, par exemple, et que normalement, cette protéine n'aurait pas lieu d'être fabriquée, mais elle va l'être en accompagnement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là aussi, il y a normalement une petite animation, et c'est dommage. On parlait tout à l'heure des taux de réponse. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des choses comme ça, mais chaque barre correspond à un patient, et ceci est vraiment typique des drivers oncogéniques. La ligne horizontale est la ligne de base de la tumeur au moment du traitement. Et chaque fois que la tumeur a régressé en pourcentage, eh bien, la barre va vers le bas. Et vous voyez que la très grande majorité des gens qui ont la cible et à qui on donne le médicament adapté, c'est dans un nombre majoritaire de cas, eh bien, la tumeur va diminuer de taille. Alors suffisamment pour qu'on parle de réponse complète, complètement pour parler de réponse totale, ou alors si elle se stabilise, si c'est une réponse de moins de 30%. Mais néanmoins, on voit que malgré l'existence de la cible, malgré le traitement, eh bien, il y a une petite frange de patients qui vont quand même progresser sous traitement très rapidement et chez qui le traitement ne va pas apporter de bénéfice. Alors, on n'a pas toutes les explications sur ces mécanismes d'échappement primaire, de résistance primaire. Quelquefois, c'est un problème d'absorption du médicament et c'est toute l'importance des conciliations thérapeutiques qu'on peut vous proposer avec les pharmaciens, notamment hospitaliers, qui vont venir regarder s'il n'y a pas des interactions qui vont éliminer trop vite votre médicament ou peut-être l'empêcher d'être absorbé correctement, les jus de pamplemousse, etc., ou des antiacides qui peuvent perturber l'absorption des médicaments. Et puis, on peut être amené à vous proposer aussi un dosage de certains médicaments pour voir si le taux circulant dans votre organisme à vous eh bien, est suffisant pour aller bloquer ces cellules avec mutation, parce que vous savez qu'on parle de thérapie ciblée personnalisée, etc. Mais finalement, ce sont des thérapies orales qu'on donne à la même posologie à tout le monde, qu'on fasse 45 kg ou 130 kg. Donc, peut-être qu'il y a certains dosages qui ne sont pas suffisants. Quoi qu'il en soit, de façon globale et majeure, on voit que toutes les études qui ont comparé l'administration d'une thérapie ciblée à une chimiothérapie vont toutes dans le sens d'un bénéfice de la thérapie ciblée, indépendamment de la qualité de vie dont on a parlé tout à l'heure, qui est incomparable, mais également en termes de contrôle de la maladie et de ce qu'on appelle la survie sans progression, c'est-à-dire la durée en pratique pendant laquelle le patient est tranquille et que sa maladie est contrôlée, elle ne progresse pas. Tout ça va dans le sens de la thérapie ciblée par rapport à la chimiothérapie, avec une réduction, pour vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, de 61% du risque de progression quand on est sous thérapie ciblée par rapport à une chimiothérapie. Malheureusement, on n'en est pas encore à parler de guérison parce que la grande majorité des patients va finir par échapper à cette thérapie ciblée. On en a parlé tout à l'heure, c'est des mécanismes de résistance qui surviennent sous la pression thérapeutique. Et on se connaît maintenant, des mécanismes de résistance, puisque grâce aux patients qui ont accepté de participer à la recherche, eh bien, on a rebiopsié au moment de la progression pour identifier ces mécanismes de résistance. Et on voit que cette biopsie à la progression est très importante parce qu'il y a des mécanismes qui sont toujours en lien avec une anomalie moléculaire et on peut reproposer une thérapie ciblée adaptée, mais il y a des mécanismes qui sont complètement différents, soit d'autres voies qui s'activent, ou soit même, vous voyez que pour les patients EGFR, on peut changer d'histologie. Dans 4%, on peut se retrouver avec une différenciation qui part dans un type histologique de petites cellules et là, les thérapies ciblées ne marcheraient pas du tout. Alors pour ALK, c'est un petit peu la même chose dans sa globalité, mais encore plus complexe parce que les mécanismes de résistance peuvent être dépendants de ALK avec des mutations qui existent, dont on connaît de plus en plus de mutations différentes maintenant avec les thérapies de nouvelle génération. Mais là aussi, il y a des mécanismes d'échappement qui ne sont plus dépendants de ALK. Donc si on continue d'enchaîner les traitements anti-ALK de nouvelle génération les uns après les autres, eh bien on sera d'échec en échec parce que la cellule a trouvé un moyen autre que ALK de proliférer. Et donc là aussi, il est probable que vos médecins vous proposent, en cas de progression sous un anti-ALK, de rebiopsier. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit dangereux pour vous et il faut que la tumeur soit facile d'accès. On peut faire des biopsies liquides, on en a parlé tout à l'heure. Ça a le mérite d'être moins invasif, mais c'est peut-être moins performant sur la quantité d'ADN tumoral circulant parfois.
Alors, pour complexifier un tout petit peu la donne, on sait que ces mécanismes d'échappement varient considérablement en fonction de la génération du traitement qui existe. Et dans les anti-alques, on a maintenant 3 générations successives de médicaments qui apportent des bénéfices sur des mutations de résistance qui étaient apparues sous les traitements antérieurs, mais les industriels les développent de plus en plus en amont pour augmenter la durée sans progression des patients, sachant qu'au moment de la progression, on a tiré un petit peu les cartouches les plus efficaces au préalable. Et donc, il y a dans les débats, dans les RCP, des discussions entre est-ce qu'on utilise d'emblée le traitement le plus efficace pour que le patient soit tranquille le plus longtemps possible, ou est-ce qu'au contraire, on va faire des traitements de séquence où on aura un traitement B, un traitement C au moment de la progression. Est-ce que au total, la période où le patient sera contrôlé sera équivalente ou pas. On n'a pas ces données-là parce qu'on n'a pas d'essais qui ont comparé ces stratégies. Je vous disais tout à l'heure que dans ALK, c'est plus compliqué parce qu'on en est maintenant à faire des biopsies avec ce qu'on pourrait comparer au niveau bactérien, puisqu'on a maintenant des données sur des lignées cellulaires chez lesquelles on a testé in vitro les anti-ALK de dernière génération, et on voit qu'il y a des mutations de résistance qui apparaissent en rouge, des mutations intermédiaires en jaune, et puis des mutations de sensibilité. Donc, en fonction de ce que vous avez comme plateforme de biologie moléculaire à disposition et d'analyse possible, eh bien, vous pouvez choisir le traitement en fonction de l'anomalie moléculaire que vous avez identifiée. Et donc, tout ça pour finir, en vous disant que depuis 15 ans en oncologie thoracique, le paradigme a totalement changé. Il y a 15 ans, on donnait le même traitement à tout le monde. On avait très peu de molécules disponibles. Et en donnant le même traitement à tout le monde, on essayait d'identifier chez qui ça marchait bien et qui ne tirait pas de bénéfice. Et maintenant, la donne est totalement différente. On a identifié très précisément la cible et on a des traitements adaptés qu'on donne spécifiquement aux patients chez lesquels le bénéfice est majeur. On a énormément de questions, parce qu'on a eu quand même beaucoup de questions en amont sur mon réseau cancer du poumon. C'est vrai, docteur Ménessier, il y a aussi une réalité dans le cancer du poumon, c'est que beaucoup de patients qui sont diagnostiqués en fait donc à l'étape métastatique de leur maladie, donc finalement ils sont tout de suite dans cette idée de est-ce que de tout ce parcours diagnostic complexe de recherche de mutations, parce que vous nous avez très bien expliqué que c'était essentiel pour bien caractériser la maladie et donner les meilleurs traitements possibles. Alors, la première question, justement, c'est finalement combien de temps ça prend toutes ces différents tests, et est-ce que, quel que soit l'endroit où on habite, où on est soigné, on a les mêmes tests? Et puis, un petit peu, est-ce que par exemple, on peut commencer un traitement et puis il y a des tests qui arriveraient peut-être plus tard ou en fonction de la réponse? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu en général? Alors, la question est complexe, mais elle est excellente. Normalement, tout le monde sur le territoire a le même testing par rapport aux médicaments qui existent. Tout le monde doit avoir les mêmes chances de pouvoir avoir accès aux médicaments, c'est-à-dire d'avoir identifié, si elle existe, l'anomalie moléculaire qui peut être traitée. Il y a des stratégies différentes en fonction des plateformes de biologie moléculaire. Il y en a qui font sortir d'emblée les testings qui sont directement liés à des traitements accessibles en première ligne, comme GFR, ALK-ROS, etc. Et puis, et qui gardent pour les secondes lignes des mutations comme BRAF, MET, l'exon 14, etc. Et qui font le testing en plusieurs étapes. Et puis, il y a des stratégies où on fait un panel d'emblée et tout est rendu en même temps. Alors forcément, le délai de rendu est un petit peu plus long quand on fait le panel en séquençage de nouvelle génération. Mais en pratique, il n'y a pas un impact majeur sur la prise en charge des patients. Ça prend, en fonction des endroits où on est, ça peut aller entre 10 jours et 21 jours, je dirais. Il y a aussi tout le process d'extraction, d'envoi à la plateforme, etc., qui peut prendre plus ou moins de temps. Plus vous êtes éloigné du centre qui traite, et plus ça peut prendre du temps. Quoi qu'il en soit, vous attendez toujours les résultats et ça vaut la peine de les attendre pour être sûr de bien démarrer. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu… Enfin, c'est toujours une période très complexe. On en parlait l'autre jour dans notre première conférence sur mieux comprendre les biopsies. C'est quand même une période extrêmement compliquée. On comprend que voilà, on a un cancer ou il y a un gros risque qu'on ait un cancer, et c'est une période où on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de stress pour les personnes dans ce parcours diagnostique. Et c'est vrai que chaque journée d'attente tout seul, on rumine un peu sans savoir un peu ce qui se passe. Donc c'est pas simple. Mais c'est aussi très important
finalement de comprendre pourquoi c'est long et à quoi ça va servir, et finalement de se raccrocher aussi à cette idée. Bah, on en est conscient, mais non seulement c'est dans le but de ne pas faire perdre des chances à des patients qui pourraient recevoir une thérapie ciblée et qui ne la reçoivent pas, mais c'est également pour ne pas choisir à tort une immunothérapie sur un marquage PD-L1 qui lui sort très rapidement et pour lequel on sait qu'en cas de mutation, un certain nombre de mutations, on est totalement inefficace. Donc là, non seulement on perd des chances en ne donnant pas le traitement, mais on en perd encore plus en donnant un traitement qui ne marche pas. Donc c'est vraiment primordial. Ouais, je rajouterais bien qu'on a la chance en France d'avoir des plateformes INCa et l'Institut national contre le cancer a fait quelque chose qui est véritablement jalousé dans tous les pays du monde et on est les seuls et en Europe à être structurés aussi bien. Donc même si c'est long, il faut bien se rendre compte qu'on a une chance incroyable parce que ça a été un maillage fait sur tout le territoire. Et peu importe où on est opéré et où on est biopsié, on a le même accès à la même qualité de traitement. Et donc ça, je pense que c'est, on se rend pas compte de la chance qu'on a dans la prise en charge globale de cette possibilité sur tout le territoire pour les patients. Alors, j'ai fait exprès de montrer et de remontrer cette prise en charge et cette nécessité d'avoir des biopsies. Ben parfois, les biopsies ne permettent pas d'avoir le résultat et on a attendu 10 jours et finalement, ben, on n'a plus assez de cellules pour dire les choses. Ça fait partie des choses qui peuvent être profondément incompréhensibles, mais qui sont incompressibles aussi. Et puis, on ne l'a pas dit, on l'a dit, les cellules sont hétérogènes, mais aussi parfois, il y a des zones plus... ce qu'on appelle la nécrose, où les cellules sont un peu plus mortes et on a du mal à leur faire raconter leur histoire génétique et donc la qualité du prélèvement est pas optimale. Donc tout ça, ça fait partie d'augmenter les temps d'attente, mais ils restent raisonnables et comme l'a dit mon co-frère tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne thérapeutique et ne pas donner un mauvais médicament qui sera inefficace. Donc, il vaut mieux parfois attendre 5-6 jours plutôt que de donner une mauvaise thérapeutique. Donc, après, il y a des choses incompressibles. Mais vraiment, l'INCa a joué un rôle assez énorme. Merci Cécile, et c'est important effectivement de rappeler le rôle en France parce que ça va être ma deuxième question, et notamment Bertrand, les slides que vous montriez, cette étude Biomarqueur France avec plus de 9000 patients, je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on a eu cet enseignement, c'est une étude qui a été menée par Fabrice Barlesi et l'IFCT, où on a justement autant d'enseignements sur les biomarqueurs dans le cancer du poumon, si je ne me trompe pas. Oui, alors là, j'ai montré en plus que la première partie, que sur les 10 000 premiers patients, ça avait été montré en congrès américain, et ma consoeur a raison, ça a été salué, financé par l'argent public en plus, on nous appelait pays communistes à cette époque. Hein. Et donc, c'est pour des panels qui coûtent très cher et qui sont offerts à tout le monde, sans que le patient débourse des sous, c'est quelque chose qui est vraiment une chance pour le pays. Hein. Alors après, effectivement, ça donne des données gigantesques, parce qu'on on a beaucoup de résultats qu'on peut analyser, mais indépendamment de ça, c'est pour le patient un bénéfice direct incommensurable. Alors justement, ça va avec la deuxième question que je pose alors soit au docteur Antoine, soit au docteur Samalin, sur les délais. Certains patients se disent étonnés que certaines molécules aient des approbations aux États-Unis plus rapides qu'en Europe. Donc peut-être que ça vaut la peine de rappeler le process d'approbation et pourquoi en France, enfin au moins en Europe, puisque c'est une démarche centralisée, parfois on a des molécules qui arrivent après. Oui, bah écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez, moi je veux bien commencer à répondre. On vous entend. Alors, je crois que oui, certes, nos délais sont probablement plus longs en termes de financement par la collectivité des médicaments, mais on a beaucoup de chance en France avec le système qu'on appelle les ATU, hein, les autorisations temporaires
d'utilisation qui nous permettent quand même d'avoir un accès extrêmement précoce à des molécules qu'on considère comme innovantes et dont les premiers résultats cliniques nous laissent penser qu'elle est pertinente dans une stratégie donnée. Donc je crois que certes, on peut toujours se plaindre parce qu'on a un peu plus de délai qu'aux États-Unis, mais clairement en Europe, je pense qu'on est l'un des pays qui permet l'accès à ces molécules innovantes pertinentes le plus précoce. Alors après, c'est vrai que c'est dans des conditions parfois restrictives, dans des conditions de délivrance aussi assez restrictives par des pharmacies hospitalières. Et là, c'est tout un circuit qui n'est pas lié tant à l'approbation. Il y a plusieurs, effectivement, étapes hein, pour permettre à un médicament finalement d'être sur le marché, comme on dit. Il y a les approbations académiques, scientifiques, c'est-à-dire qu'on a démontré, en tout cas, on a approuvé l'intérêt d'un médicament ou d'une stratégie par rapport à une stratégie standard. Et puis après, il y a le problème du financement hein, de cette innovation. Et là, effectivement, il y a plusieurs commissions en France. Après qu'il y ait eu, donc je le répète, l'approbation médicale, il y a tout ce qui est négociation pour le financement de cette innovation. Et donc ça, ça peut prendre effectivement beaucoup de temps. Il y a différentes commissions sur lesquelles je ne reviendrai pas, avec différents avis d'experts qui parfois n'en sont pas. Et donc ça devient un peu compliqué et ça peut retarder, on va dire, l'accès large et le financement. Mais pour être vraiment honnête, en tout cas, nous, en termes d'innovation dans le cancer du sein, on a pas mal de chance parce qu'on arrive quand même à avoir ces innovations rapides. Alors, pour reprendre l'exemple des États-Unis, vous savez que le financement est totalement différent aux États-Unis. C'est jamais un financement collectif ou en tout cas très partiel. C'est un financement privé par des mutuelles d'assurance privées. Et donc, la FDA qui autorise donc, les médicaments n'intervient pas ou pas du tout dans le financement. Elles autorisent sur des données académiques, sur des données médicales, et le financement est un autre aspect, alors qu'en France, pas du tout. Et ça peut expliquer donc cette lenteur, entre guillemets, administrative, mais qui est plus liée, encore une fois, à la ressource financière de la stratégie ou du médicament qu'au médicament lui-même. Alors moi, j'ai une question pour le docteur Ménessier, qui d'ailleurs, je crois, va devoir s'échapper pour partir vite dans une autre réunion. Mais je voulais quand même, on a parlé des thérapies orales. Ces thérapies orales, elles sont, vous avez parlé très bien de l'importance de la conciliation pharmaceutique, hein, ces questions qu'on peut se poser quand on doit gérer soi-même son traitement, avec quoi je peux manger, à quelle heure il faut le prendre, etc. Et puis, bon, c'est pas parce que ces thérapies sont orales qu'elles n'ont pas forcément d'effet indésirable. Qu'en est-il des suivis? Il y a beaucoup d'expérimentations dans pas mal de centres. Le docteur Léhari a parlé des suivis par téléphone qui peuvent être mis en place, etc. Vous avez des expériences, je crois, de suivi avec donc pour les patients les plus complexes, les plus fragiles notamment. Donc, peut-être si vous voulez en dire deux mots. Alors effectivement, j'en ai pas parlé, mais on a la chance d'avoir été site pilote avec la solution de Continuum Plus ACO-ADOM qui fait le lien entre la pharmacie d'officine, le médecin traitant et puis le patient via une infirmière qui passe à domicile et qui évalue les toxicités de ces différents médicaments, qui les rapporte et qui nous communique un petit peu s'il y a des toxicités notamment cutanées, enfin il y a des hypertensions, des choses comme ça, des diarrhées qui peuvent apparaître. Et pendant la période Covid, où il a fallu réfléchir un petit peu à éviter les passages d'infirmières, parce que dans le Grand Est, on était avec une circulation du virus quand même très importante, et bien on a fait évoluer cette solution pour que le patient rapporte lui-même ses événements indésirables sur cette plateforme. Et on peut déposer des ordonnances, on peut voir les bilans biologiques, on peut avoir des photos sur les toxicités, etc. On a les grades qui s'affichent, et des messages d'alerte. Donc, ça permet de continuer à suivre nos patients, qu'ils ne se sentent pas abandonnés, et même s'ils n'ont pas besoin de venir à l'hôpital, même s'ils n'ont pas une infirmière qui passe à domicile. Merci beaucoup. Mais je suis désolé, là, il faut vraiment que je vous laisse. Je mets tout le monde en place sur une autre réunion. Je vous prie de m'excuser. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Au revoir tout le monde. Au revoir. Laure ? Oui ? Est-ce que tu as une question encore ? Alors peut-être que ça serait intéressant justement de faire un petit peu un pont, parce que c'est vrai que sur toutes ces thérapies ciblées qui sont très souvent des thérapies orales, là actuellement, avec depuis des mois, avec le confinement, etc., c'est quand même un peu plus compliqué. Est-ce que les uns et les autres, vous voulez rebondir sur
le suivi que vous faites pendant cette période ou les recommandations que vous pouvez faire. Est-ce que vous utilisez en partie, par exemple, des consultations par téléphone ou par vidéoconférence de temps en temps? Est-ce que vos pratiques ont changé? Est-ce que vous avez des recommandations les uns et les autres pour vos patients ces jours-ci? Voilà. Alors, je peux parler pour le digestif. On a donc quelques thérapies orales, effectivement. Donc, c'est vrai que la première consultation d'une thérapie orale, c'est important de la faire physiquement et on essaye quand même au maximum, malgré la présence du Covid, de maintenir ces temps importants. Mais à partir du moment où c'est mis en place, qu'il y a eu la consultation avec le pharmacien, avec l'infirmière de coordination, effectivement, les suivis peuvent s'opérer soit par téléphone, soit en visioconsultation. Donc, c'est un outil qui est quand même disponible, en tout cas, et qui se déploie peut-être de façon plus ou moins rapide selon les dispositifs. Mais je crois que cette période Covid nous a vraiment aidé à ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut quand même évaluer cliniquement, d'une certaine façon, la personne, surtout lui faire passer des documents, qu'elle aussi nous fasse passer des documents, et la possibilité parfois de répondre à des questionnaires aussi pour les toxicités. Donc, c'est vrai que ce suivi est très précieux. Après, ça n'exclut pas, bien évidemment, la consultation physique qui est importante avec l'évaluation d'imagerie souvent qui accompagne cette venue. Et alors, juste un mot, du coup, par rapport au dépistage du cancer du côlon, on dit qu'il y a eu beaucoup de retard ces derniers mois. Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont, en tout cas, réaccessibles pour les personnes qui sont actuellement, normalement, susceptibles de faire un dépistage? Oui, alors c'est vrai qu'au premier confinement, il y a eu beaucoup de déprogrammation d'examens, on va dire, non prioritaires, par rapport au fait qu'il fallait faire surtout de la place pour accueillir les potentielles personnes atteintes du Covid. Donc, il y a eu pas mal de déprogrammation d'examens et peut-être un petit peu une peur aussi d'y aller, de circuler dans les établissements, alors que il n'y avait quand même pas tout ce qui est à disposition aujourd'hui pour se sentir en sécurité. Actuellement, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, je crois qu'on essaye au maximum de respecter les examens programmés. Et là, il ne devrait pas y avoir de soucis sur la programmation d'un examen de dépistage, enfin endoscopique en tout cas. Merci beaucoup. Alors, juste, je vous fais une petite remarque sur le chat. Le professeur Badoual a mis toutes les recommandations liées à la vaccination des petites filles et des petits garçons de l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, donc pour les questions. Docteur Léharis, sur les suivis, justement, Gustave Roussy avait développé spécifiquement CAPRI, le programme CAPRI qui avait donné lieu à notamment des communications lors du congrès de l'ASCO. Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'utiliser, d'avoir l'expérience? Oui, donc CAPRI, pour ceux qui ne savent pas, est un système de suivi par des infirmières pour tout ce qui était les traitements oraux. Et c'était pan-tumeur, donc peu importe le primitif, tant que c'était un traitement oral. Et il y avait un suivi avec des appels mensuels pour aider les patients au jour le jour sur la tolérance, leur donner des petits conseils, les écouter. Et ça a eu un succès faramineux. On a réellement amélioré la prise en charge des patientes. C'est une étude qu'on a réalisée et le but, évidemment, c'est de pouvoir faire rentrer ça dans la pratique parce que le retour de nos patients a été vraiment, vraiment excellent, très positif. Et effectivement, avec le confinement, on a fait, comme vient de l'être détaillé, on a pris les téléconsultations et avec l'envoi des médicaments par la poste, etc., etc., pour éviter les allers-retours à nos patients. Merci beaucoup. Docteur Antoine, vous parliez tout à l'heure, et le docteur Badoual aussi, le maillage territorial. Je vois une question sur le fil qui concerne les ATU.
Est-ce que tous les patients ont la même chance d'avoir accès aux ATU sur l'ensemble du territoire? Donc, la question a été donnée par écrite, mais par oral, c'est toujours mieux. Oui, sur un plan légal, juridique, éthique, bien sûr. À partir du moment où il y a une ATU, elle n'est pas restreinte à certains territoires. Après, il faut que les médecins consultés le sachent déjà, qu'il y a cette disposition et prennent le temps effectivement de faire une demande et de l'obtenir. Donc, c'est vrai que ça dépend là, non pas du territoire, mais des équipes soignantes et de leurs connaissances et informations sur la disponibilité de l'ATU. Mais l'ATU, elle est, lorsqu'elle est disponible, elle est générale, hein, elle est sur tout le territoire national. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, merci. Laure, est-ce que tu voulais poser une dernière question ? Alors, juste par rapport à cette question des ATU et puis plus globalement aussi de l'accès à la recherche clinique, parce qu'on a bien vu aussi que toutes ces thérapies, elles sont quand même, il y a énormément d'innovations et c'est complexe de les suivre. On relaie sur nos réseaux également finalement les grands sites autour des essais cliniques. Quand il y a une ATU qui est donnée, on essaie de la publier dans les groupes concernés pour en fait favoriser l'échange et que éventuellement les patients concernés puissent en parler tout simplement avec leur équipe, puisqu'effectivement tout le monde n'est pas forcément soigné dans un centre extrêmement pointu qui fait de la recherche ou qui est très très dans le suivi de tout ça. Et on a bien compris que pour beaucoup de patients, il y a beaucoup d'espoir dans ces nouvelles thérapies, puisqu'on voit que les protocoles et les propositions ont beaucoup changé, que ce soit dans les cancers gynéco, des cancers du poumon évidemment, c'est en train de bousculer les cancers colorectaux. On est d'ailleurs très content avec le docteur Samanin et ses collègues et Colette Casimir de ce nouveau réseau social qui va s'ouvrir, parce que finalement il y a beaucoup besoin d'informations et de faire bouger les choses dans ce monde-là. Et puis dans le cancer du sein, on voit toutes les avancées et surtout ce qu'on repère ce soir, je crois, c'est la multiplication des situations. Donc il y a vraiment l'idée que chacune des personnes malades a une maladie qui est spécifique. Et bien sûr, on échange entre patients dans nos associations. Mais c'est vraiment cet échange spécifique avec les équipes de soins sur votre dossier, avec votre anapath qui, je ne sais pas si vous faites, docteur Badouat, des consultations d'anapath pour expliquer à vos patientes exactement ce qu'il y a sous les lames. Mais en tout cas, cette idée que c'est vraiment très spécifique à chacun et que c'est important du coup d'être, d'être dans cette dynamique d'information également pour garder un maximum de chances face à cette maladie. Eh bien alors, le mot de la fin me revient. Déjà, je m'adresse à tous les orateurs. Merci infiniment de vous être libérés et de nous avoir éclairés et informés sur les thérapies ciblées, même si j'ai vu qu'on avait tous besoin de s'accrocher un petit peu. Voilà. Merci et à tous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et donc, rendez-vous en 2021 pour de nouveaux programmes. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée.